Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à sous suite à la précédente partie Wild Bandito, une machine à sous que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Voilà, merci à l'abonné, fidèle abonné, de m'avoir fait tester cette machine et un bénéfice final voilà, d'approximativement 20 euros et une balance de 70 euros que je vais réinvestir sur une machine à sous qui m'a été redemandée par un abonné, une machine que j'ai déjà testée, à savoir Iron Bank, une machine à sous qui contient des jokers pouvant faire office de multiplicateur. Vous avez deux fonctionnalités sur cette machine, le traditionnel bonus free spin, bien sûr. Si on découvre trois symboles bonus représentés par des coffres forts, on remporte des free spins. Et vous avez également la fonction de symbole mystère qui peut apparaître à tout moment et révéler un symbole. Et pourquoi pas obtenir de jolis gains successifs. Il y a également l'option d'achat de bonus sur cette machine, mais on ne va pas l'utiliser. Objectif, espérer prendre notre revanche sur cette machine qui ne nous a pas réussi lors de la première tentative et bien sûr espérer avoir le fameux bonus. Allez, c'est parti, let's go pour cette revanche sur cette machine que je trouve sympa également. Donc voilà le symbole bonus ici. Et on a un gain de remporté qui est pas trop mal. Oui, ah, maxi gain 9 euros de remporté, joli gain. Ok, très bien pour commencer. Oula! Alors là, x3, c'est un big win. Bah dites-moi, ça démarre sur les chapeaux de roue là. Assez étonné, pas comme la précédente partie finalement. Oui, encore un gain de roi qui n'est pas trop mal. Très bon départ, franchement là, un peu étonné d'ailleurs. C'est pas souvent. Voilà, on a des gains qui pleuvent. Un gain de 45 centimes, d'accord. Encore un gain ici. Oui, petite connexion avec les bananes. Ok. Les caves à cigares, c'est gagné aussi. 70 centimes. Ok, bah c'est pas mal hein, pour l'instant, franchement. Ok. Le whisky, j'imagine. Alors, Kappa, je sais pas ce que c'est. C'est une fiole d'alcool, c'est sûr. Ok. À moins que ce soit du rhum, peut-être, éventuellement. Un bonus que l'on n'avait pas réussi à avoir lors de la première tentative sur cette machine. Et on était en perte, si je me souviens bien, mais bon, c'était pas trop grave. Oui, c'est gagné ici. On a un gain avec deux symboles différents. Ok, 1,30€. Voilà, des wide expansifs qui peuvent apparaître à tout moment. Donc ça, c'est intéressant. Pour l'instant, un début de mois qui commence bien. Majoritairement, on va espérer que ça continue, bien sûr. Faire aussi bien que le précédent. Voilà, une musique sympa, j'aime bien. Très sympa avec ce petit air de piano. Ah, alors là c'est rare, on l'a pas vu souvent apparaître, c'est la deuxième fois seulement, c'est pas beaucoup. Allez, cette fois-ci, c'est espérer aller le chercher. Oui, on a plusieurs connexions ici, pas trop mal. Allez, 1,85, ok. Pas mal de retours positifs concernant la dernière machine, hein, Wild Bandito, donc pourquoi pas la représenter prochainement, bien sûr. Oui, on a une connexion avec les rois, pas trop mal. 2,80, toujours bon à prendre, ok. Ah,
Viens ici, ok. Avec les vases. Ah! Alors là, ce serait trop beau. Ah non, dommage! C'était un leurre, le premier. Tellement rare à voir apparaître en plus, donc c'est pas gagné d'avance. Ah! On a une fonctionnalité mystère. Ça, c'est intéressant. Donc c'est gagné en principe. Est-ce qu'on a un respin? Est-ce qu'on a un respin ou pas? Je sais pas. Mais on a un gain ici de 2,80. Non, ça s'arrête là. Mais c'est toujours ça. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Franchement, comme départ. Oui, c'est gagné avec la petite fiole. 80 centimes, donc ça c'est un symbole intermédiaire. Ah, on m'a vu passer furtivement les symboles bonus. Ah, ce serait le top hein, de l'avoir à ce moment-là de la partie, bien sûr, sans débourser de notre solde. Une aubaine. Oui, ouh! C'est pas mal, c'est peut-être un big win, on va voir. Oui, c'est un big win, 8,40, bah joli. Voilà, ils balanceront de l'aide de 80 euros, c'est beau. Allez, on va pas s'arrêter là, bien sûr. Ce serait bien de découvrir le bonus sans passer par la fonctionnalité d'achat, bien sûr. Je ferai des sessions à part prochainement, si la chance continue. Voilà, il y en aura d'autres, hein, des sessions sur des achats de bonus, des achats de free spin sur les machines. Ok, bon, pour l'instant, toujours pas de perte. Oui, premier gain avec le symbole du buffle. Ok, 1,60. Oui, un gain de roi. Très bien. Connexion de dame, 1,20€, ok. Beaucoup de suspense. De toute façon, je pense pas que je descendrai en dessous des 50€ si jamais d'aventure je n'avais pas le bonus. Je trouve que c'est déjà pas mal. On peut tenter éventuellement une petite montante puisque les gains sont quand même assez intéressants hors bonus. Donc on va tenter des mises à 80 centimes, puis on va faire le point ensuite. Oui, j'avais même pas vu le gain avec la cave à cigare. Ok, voilà, on revient à notre solde, gentiment. Et toujours pas de bonus à l'horizon, pour le moment. Fonctionnalité mystère, ça peut être intéressant. On peut avoir un gros gain également. On en a eu qu'une seule pour l'instant. Ah, ça serait beau. Ah, on l'a vu tellement peu souvent que ça va pas être évident de l'avoir, mais on a un petit gain plutôt pas mal ici. Ok, de 24, je pensais que c'était plus, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas eu droit au dernier rouleau. Ok, un gain avec les bananes. Ok. Tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires, notamment ceux qui ont déjà joué sur cette machine, si vous avez eu le bonus, et s'il a été payant surtout. C'est dommage, il manquait la cave à cigare au premier rouleau. Petite connexion, voilà, un petit peu moins bien là. Allez, on va
continue jusqu'à 50 euros, hein, comme je l'avais dit. Et puis ensuite, on va faire le point. Je pense que je vais peut-être pas insister si on n'a pas le bonus, c'est pas grave. Ça a bien démarré. C'est un peu plus compliqué maintenant. Diminuer notre mise, on va jouer 10 spins à 50 centimes, à moins d'avoir de la chance et d'avoir le bonus, mais ça m'a l'air compliqué, plutôt garder le seul qui reste. Oui, ah, c'est dommage que ce soit que des 10, pas 85, allez on prend. Ok, je l'avais pas vu celui-là. Ici. Pas trop mal. Allez, bon, autant repasser sur des mises à 80 centimes maintenant. Sait-on jamais. Oui. Petit gain. C'est pas énorme. Ok, 2,40. Et un bonus, ben, vous abonnez absent. Bien dommage. Allez, il reste quelques spins à jouer, pas beaucoup. Allez, on va miser 50 centimes. Et on va s'arrêter là, je pense. Ah, on a un gain. 60 centimes. Bah, on peut refaire quelques spins. Et on va pas trop insister, hein. On n'a pas eu le bonus, donc c'est pas grave. Allez, on ce qu'on peut faire éventuellement, on peut miser 30 centimes et s'arrêter sur ce solde. Donc, ah, on a un gain ici. Un gain de 12 centimes. Alors, est-ce qu'on peut jouer 15 centimes? On peut jouer 10 centimes. Allez, pour le plaisir, on va jouer 10 centimes. Ah bah, on a servi à rien. Si, on a un gain, j'avais pas vu. Un petit x3, 75 centimes. Bah, allez, hop. C'est parti. Spin à 80 centimes, peut-être de la chance. Oui, on a un gain quand même. Ok. 34 centimes, on va miser 30 centimes. On a encore un petit gain ici. Ok, alors est-ce qu'on peut miser 10 centimes? Oui, on va le faire. Et là, ça risque d'être le dernier spin. Ouais, bah dommage, dommage, ça avait bien démarré. Je crois qu'on est monté aux alentours des 80 euros de solde. Bon, on n'a pas véritablement fait de bénéfice. Et donc, une petite perte au final de 20 euros. Bon, rien de bien dramatique. Mais voilà, on n'a pas réussi à avoir... toujours avoir ce fameux bonus sur cette machine que j'aimerais bien avoir un jour, bien sûr. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude. Merci à l'abonné, voire même aux abonnés, hein, qui m'ont refait découvrir cette machine. Et on se retrouve très vite, voilà, avec ce solde restant sur une autre machine. Bonne journée à tous. Bye.